Et bonjour Vanguard Fighters, on se retrouve pour discuter de l'événement festif de ce début février 2021, Halloween Memories. Avant ça, juste un mot concernant le calendrier du mois qui a été agrémenté de quelques précisions. Déjà, vous pouvez voir qu'ils ont ajouté l'événement actuellement en cours sur l'invasion de Link Joker. À ce sujet, je vous rappelle également que si vous voulez rejoindre une team pour faire vos missions, n'hésitez pas à rejoindre la mienne, Carnaval. Ensuite, on peut voir deux nouveaux événements, le nouvel an lunaire, qui correspond peut-être à un genre de nouvel an chinois, je ne sais pas trop honnêtement, qui s'intercale entre Halloween Memories et l'événement de Clan Grand Blue, et la deuxième collaboration HoloLive, qui sera l'occasion de récupérer une nouvelle carte gratuitement et compatible avec tous les decks, donc c'est toujours ça de prix. Venons-en maintenant à l'événement de la première moitié du mois. Il s'agit d'un événement festif classique avec son plateau de jeux de loi. Tous les jours, récupérez des dés en vous connectant, en visitant la Model Room ou encore en accumulant des VP. Puis jetez-les pour faire avancer Naoki afin de récupérer les cartes pour reconstituer son deck et ensuite affronter Suiko. Je vous invite à d'abord viser les cartes car une fois que vous aurez affronté le boss 3 fois, votre plateau ne contiendra plus que des bonbons et vous pourrez donc en récupérer plus facilement. Pensez à bien utiliser vos dés dorés tous les jours. Pour rappel, la Model Room reset à 9h et les dés dorés à 14h. Au niveau des récompenses, ce genre d'événement est très généreux, donc je vous invite à d'abord acheter les 3 tickets gacha, puis prenez ce que vous voulez en éléments cosmétiques. Ne dépensez pas de gemmes dans cet événement, ça ne vaut clairement pas la peine. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, likez et abonnez-vous, à bientôt, bye !